Bonjour, coucou, c'est Steph. Bienvenido en mis clases de francés en línea. Y hoy vamos a hacer una clase para principiantes. En la clase de hoy vamos a aprender a hablar de las redes sociales, las que usamos cotidianamente y hasta algunas demás que a lo mejor no conocen tanto. La dinámica es bastante sencilla. Les voy a presentar primero algunos ejemplos para que entiendan el ejercicio. Y luego les voy a dar un tiempo para que también puedan como practicar su francés desde casa, haciendo la tarea. Y en un tercer tiempo dejaré a mis alumnos corregir el ejercicio. Así que grabé una clase en línea que di hace una semana. Así que pues podrán comparar sus respuestas con las respuestas de mis alumnos y así será más dinámico. Vale, pues ya no tardamos y ya vamos a empezar. Nada más antes, por los que no me conocen, me pueden buscar en YouTube. Checan, tengo varias playlists, hasta tengo una playlist para aprender francés desde cero. Y les recomiendo también seguirme en Instagram, francés-con-steph. Y ahí también tengo varios videos y contenido diferente a los que tengo en Facebook o YouTube. ¿Vale? Pues ya empezamos. Voy a compartir mi pantalla y a proyectar el libro que utilizo como durante mis clases. Donc, épisode 7, communiquer. Les réseaux sociaux et les applications pour communiquer. À quoi ça sert? Relier les applications à leur fonctionnalité. Donc, à quoi ça sert? Est-ce comme à qué sirve? D'accord? Donc, ici, nous avons l'application YouTube, Tinder, WhatsApp, PayPal, Zoom. C'est pour téléphoner et envoyer des messages. C'est pour regarder des vidéos. C'est pour faire des réunions de travail, des cours ou conférences en ligne. C'est pour payer en ligne. C'est pour faire des rencontres. On va corriger l'exercice ensemble. Donc, YouTube, bien sûr, c'est pour regarder des vidéos. Tinder, c'est pour faire des rencontres. WhatsApp, c'est pour téléphoner et envoyer des messages. PayPal, c'est pour payer en ligne. Zoom, c'est pour faire des réunions de travail. OK? Alors, quelle est la structure que j'utilise? À chaque fois, j'utilise c'est pour et un verbe à l'infinitif. C'est pour téléphoner. C'est pour regarder. C'est pour faire. C'est pour payer. C'est pour faire. OK? Alors, ici, nous avons différentes applications. Donc, le devoir, l'exercice est de compléter les différentes fonctions de toutes ces applications. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas tous ces logos. Qu'est-ce que c'est ce logo? C'est Instagram, d'accord? Donc, Instagram, à quoi ça sert? Instagram, c'est pour partager des photos, para compartir fotos. OK? Entonces, si checan, siempre utilizo la misma estructura. C'est plus pour plus verbe à l'infinitif. De una vez, les voy a corregir un error común que hacen mucho los hispanos hablantes. Bueno, de hecho, no solamente los hispanohablantes, que van a pronunciar la R aquí, pero no se pronuncia. Vamos a decir partager. Los verbos que terminan en ER se pronuncia E al final. C'est pour partager des photos. Pues ya, yeah, vamos a pasar a la corrección, pero antes, pues les recomiendo de hacer una pausa y que completen el ejercicio en su casa. Vamos a ver primero antes qué aplicación se trata, ¿no? Para que si no conocen algún logo, que igual la pueden buscar y hacer el ejercicio en su casa. Donc, aquí tenemos Twitter, aquí tenemos Airbnb, Facebook,
Spotify, TikTok. OK. Y siguiente tenemos a Netflix, Gmail, Amazon, LinkedIn. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Uber. Rappi ou Uber Eats. Et finalement, Twitch. OK? Vale, pues entonces, hagan ese ejercicio en su casa y ahora les voy a dejar con mis alumnos para que ellos resuelvan el ejercicio. Nos vemos, hasta pronto. Super, eh ben on va corriger. Ça marche. Hop là. Alors, on va commencer par la première application. Laura. Oui. C'est Instagram. C'est pour publier photographie. C'est pour publier, et on va utiliser l'article « des », c'est pour publier des photos. OK? C'est pour publier des photos. Très bien. Los demás pusieron algo diferente? Oui. Oui. Dulce Ezequiel. Ouais. ¿Qué pusieron? Un equipo. C'est pour regarder photos, vidéos et publicité. OK. Alors, juste attention, on va bien, très bien, bien utiliser l'infinitif. C'est pour regarder des photos, des vidéos et des publicités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de publicités sur les réseaux sociaux. Ça marche. OK. Twitter, Claudia. Oui, c'est pour partager information. C'est pour partager des informations. Des informations, oui. Très bien. Airbnb, Susana. C'est pour louer un logement. Ah, c'est pour louer. Attention à la prononciation. C'est pour louer. OK. Como rentar, es lo que querías decir. Uh-huh. Ah, c'est pour louer un logement. OK. Para rentar una habitación, un alojamiento. C'est pour louer un logement. Alguien puso... ¿Cómo? Es que ahí teníamos una duda, como nos habías dicho del OUE, cómo se pronunciaba. Aquí sí lo dices completo. Lue. La O con la U siempre se pronuncia como la U español. U. Ajá. Lue. Lue. Ok. Lue. C'est pour louer un logement. OK. ¿Pusieron los demás grupos, pusieron algo diferente para este? Sí. Sí. Nosotros pusimos Airbnb, c'est pour réserver chambres. Ouais, ese verbo es lo que buscaba también. Creo que ese verbo es más adecuado. C'est pour réserver, como apartar, como reservar. C'est pour réserver une chambre, como una recamada. Uh-huh. Okay. Porque el primero también funciona, pero es más general. Por general, lue, cuando decimos lue, lo rentamos por un mes. Mínimo, mínimo por un mes o por más tiempo. Pero ahí como se puede reservar una chambre, como es para apartar, reservar una recámara, ¿no? Una chambre, un appartement, porque si Airbnb hay de todo, ¿no? Una chambre, un appartement, una maison. ¿Qué es logement? ¿Logement? Logement. Logement. Logement es alojamiento.
habitation, alojamiento. Donc, un logement, ça peut être une chambre, un appartement, une maison. Como un logement, como regroupa todo eso. Una recámara, un apartamento, una casa. OK? David, Facebook. C'est pour partager la vie sociale. Sociale? Social. Social. C'est pour partager la vie sociale. Alors, si on peut dire donc la vie sociale. La vie sociale. Ou on peut dire aussi ça. Comme su vida, comme sa vie ou la vie. Comme vous voulez, comme vous voulez. Ah, ok. C'est pour partager. C'est pour partager la vie sociale ou c'est pour partager sa vie sociale, su vida social. Partager, qu'est-ce que partager? Compartir. Ah. Spotify, Dulce. C'est pour regard de court video. Ah non, ça c'est TikTok. C'est pour... Ah non, si, sorry. Regardez c'est pour des vidéos des courtes. Ah. Ou des courtes vidéos, des vidéos courtes ou des vidéos très courtes. On pourrait dire des petites vidéos. Des petites vidéos. Ou des vidéos courtes, comme vous voulez. Et attention juste à la prononciation de l'infinitif. Hein. C'est pour regarder. OK? Spotify, Olivia. Oui. Spotify, c'est pour écouter la musique. C'est pour écouter de la musique. De la musique. Très bien. Bon, je pense que tout le monde a la même chose hein, pour Spotify. Pour TikTok, alguien tenía algo diferente? Et aussi, c'est pour regarder les danses de la jeune. Et aussi pour regarder les danses des gens. Los bailes de la gente. Oui. Ok. Yo no uso mucho TikTok, pero sí, vi mucha gente bailar en eso. Coreografías. Et aussi pour regarder les danses des gens, les chorégraphies, les imitations. Les imitations, il y a beaucoup de gens qui font des imitations, non? Imitations. Ok, très bien. On va passer au suivant. J'efface. Bim. Hop. Netflix. Allez. C'est pour regarder séries. Non, c'est comment... Ouais, c'est ça. C'est pour regarder des séries. Des séries? Ou des films. Comment? Ou películas. Ou des films. Ou des films. Ok. Donc, c'est pour regarder des séries ou des films. Très bien. Des documentaires. Etc. etc. Super. Ok. Aïda Gmail. Allô, Aïda? Gmail, c'est pour envoyer courrier électronique. C'est pour envoyer des courriers électroniques. Ouais, c'est pour... Alors, envoyer, ça signifie mandar. Alors, vous pouvez dire des courriers électroniques ou en général, on dit aussi des emails. On utilise beaucoup le mot anglais. Si vous allez au Québec, au Canada, je pense qu'ils disent des courriels. Des emails, des courriels, des choses comme ça. OK, donc c'est pour envoyer
Creo que otro grupo puso se pour écrire. Écrire de mail. Ouais, c'est pour écrire. A ver. C'est pour envoyer. C'est pour écrire et envoyer des emails ou des courriers. Des courriers électroniques. Des emails ou des courriels. OK? Oui. Amazon. Avec qui n'a pas participé? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À qui je vais demander? Donc, on a Kina, David, Claudia. Ezekiel. C'est pour acheter en ligne? Ouais, très bien. C'est pour acheter en ligne. Laura, LinkedIn. C'est pour chercher de travail. Ouais, très bien. C'est pour chercher du travail. Comment trabajo en général. C'est pour chercher du travail. C'est pour chercher du travail. C'est pour faire des contacts. Publiquer compétences. Pour. Pourquoi? Publiquer. Liquer. Publiquer compétences. O sea, las habilidades y puestos de trabajo de dirección que has tenido en la vida. ¿Qué es que c'est liquer? No, publiqué. Publiqué. Como. O sea, como publicas. Publiqué de publicar. Publicas tus habilidades. Ah, ok, perdón. Y los trabajos que has tenido en la vida. Ok, por publier, pardon. Por publier. Publier, publier. Publier son CV. Oui. Ok. David, levantaste la mano? Vi que sí, entonces en Amazon se pronuncia como una ñ al final, en ligne. Ajá, sería. Exacto. C'est ligne. Pour okay. Acheter en ligne. Si sí, la G y la N se pronuncia como en ligne. En ligne. Merci. Muy bien. Ah, sí, eso también. Sí, ahora que actualice mi Zoom, o sea, hay una opción para que puedan levantar la mano y me aparece en la pantalla. Uber, qu'est-ce que c'est Uber, Claudia? Oui, c'est pour trajet en taxi. C'est pour. C'est pour quoi? Est-ce que tu... Trajet en taxi. Como trayectos, c'est pour des trajets en taxi. Como via, Alors, ahí pondría el verbo hacer, c'est pour faire des trajets en taxi. Para usar un infinitivo. Est-ce que se corta mucho okay. tu voz? Creo que tu internet está mal. C'est pour faire des trajets en taxi. Je suis désolé. Ouais, alors vous pouvez dire aussi c'est pour commander un taxi. Como para pedir un taxi. C'est pour commander, c'est pour réserver. Demande. Un taxi, etc. C'est pour transport de personnes. Ouais, c'est pour transporter. Transporter. C'est pour transporter des personnes. Peut-être. Et. La, c'est pour la transportation. Alors, transportation, non, c'est pour le transport de personnes. Le substantif, c'est le transport. OK.
Non, Susana, Rappi. Si es por chez de la nocturne. C'est pour Nord chercher, comment buscar. Ouais, on va plutôt dire c'est pour commander, para pedir. Cuando pides comida o bebidas en un restaurante ou une app, vas a decir commander. Okay? Ok. Donc c'est pour commander de la nourriture, como comida, de la nourriture. Ok. On peut même dire c'est pour commander des repas. Comment c'est la comidas. Y cash. Cash? Cash. Money. Comment que cash? Money, money. Ah. ah, tu peux... Comment? O sea, ¿tiene otra función, Rappi? No, solamente es eso. Pues antes te podían llevar hasta efectivo. Ah, ¿en serio? Sí. Rappi Favores. Órale. Ajá. ¿Pero quién te Rappi lo manda? Rappi Favores. Sí. Ah, o sea, tú pagas en tarjeta y sacas el dinero por ti. Oye, no lo sabía. ¿Cómo crees? Es viejísimo. Cuando necesito dinero. Aquí en Querétaro sí se llama así, Rappi Favores. Órale. Un Rappi Favor, así como quiero unos cigarros y te, o sea, te los trae. Ah, ok. No, manches, es antiquísimo. Qué barbaridad. Ah, vamos a poner, c'est pour commander n'importe quoi. Es para pedir cualquier cosa. Oh, mon Dieu. Órale. La vida está peor porque en Venezuela. C'est pour commander n'importe quoi. De l'argent. De l'argent liquide, como dinero líquido, es lo que llamamos cash. De l'argent liquide. Mm. Des cigarettes. De l'alcool. Ay, yo también pensé eso, qué horror. Cigarros y alcohol, qué miedo, ya. De chips. De la rente. La rente. De l'argent. ¿Cómo? De l'argent. De l'argent es dinero. De l'argent. O si dicen como argent liquide, es como cash. L'argent. Dinero liquido. L'argent. No sé pronunciarlo. Sí, así sabes. De l'argent. L'argent. Es importante l'argent. Finalmente, David, Twitch. ¿Qué es Twitch? Que es Twitch? Pues la tuve que buscar, pero c'est pour, perdón, o sea, plataforma. C'est une plateforme. C'est une plateforme de streaming. C'est une plateforme de streaming. C'est une plateforme de streaming. Ok. Está bien. Ouais, ouais, si ça fonctionne. Nada más que tenemos que usar un infinitivo, pero eso es una buena. Lo vamos a dejar así porque es una buena definición. Podríamos decir también c'est pour jouer. Para jugar. C'est pour jouer. ¿Cómo se dice jugar? C'est pour jouer. C'est pour jouer. De juice video. C'est pour jouer. Creo que más c'est que jouer, es para difundir tus partidos, que se me hace aún más loco. Como si diffuser o regarder des jeux vidéo. Creo que es eso. Como que. De hecho, hay gente que gana mucho dinero haciendo eso. ¿Really? Están jugando videojuegos y hay millones de gente que los ven jugar y ganan millones. Es una locura. Voy a empezar a hacer mira. Eso. Yo también. Eso no sabía que existía. Pero sí hay... Pero hay jóvenes de 15 años con millones de seguidores y se la pasan ya jugando. Perdí. Y, ya perdí. Y ganan así. Ok, pues antes de seguir ya vamos a aprender a contar hasta un millón. Bueno, no vamos a ir a...